Cette fois-ci, le ministère de la Communication chargé des postes et télécommunications, en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications, a clôturé hier la formation sur la planification des activités liées au développement des infrastructures à large bande dans le domaine des TIC. La cérémonie de lancement de cette formation a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Communication chargé des postes et télécommunications, M. Ahmed Youssef Elmi, et a réuni en outre les responsables du ministère de la communication des postes télécommunications, les responsables du programme du bureau régional UET, des experts et des représentants de l'État arabe, membre de l'Union internationale et télécommunications. À l'issue de 3 jours de formation, les parties prenantes ont suivi des méthodologies claires, pratiques pour l'évaluation économique, préciser les plans d'installation et déploiement d'infrastructures à large bande proposés. Ainsi, les participants sur le principe de la planification et d'entreprise et de leur mise en pratique dans le contexte soutien de la prise de décision politique réglementaire en matière de développement des infrastructures. Nous voilà, chers assistants et participants, nous voilà arrivés à une formation de 3 jours sur le développement des infrastructures à large bande dans le domaine des TIC. Et avant de clore cette formation, je tiens à remercier en premier lieu l'ITU à travers son représentant régional des pays arabes, le formateur Silva, et j'espère que vous avez pu bénéficier d'une formation de qualité durant ces 3 jours qui vous permettra bien sûr d'avoir des connaissances sur le développement des infrastructures à large bande